fois, il était venu à la maison, il est venu me saluer. Il a salué tout le monde et puis partait. Sam me dit, ah, San Pedro, dis la belle chicken, que moi, il veut venir. C'est là, il me dit, tu es venu. Il dit, ouais, il est venu. Ok, allons-y. Donc, comme ça, de là, là, c'est pas pour dire que les gens, ils savaient que c'est demain. De là, là, il a pris mes barrages, on a bougé à San Pedro. Quand on est arrivé là-bas, on a pris la même résidence. Le soir, on est sorti, maintenant, on a mangé. Le soir, Cécile me dit, après toi, on sort. Il dit, à la fois, il n'y a pas de souci. On est sorti, on est parti s'amuser. Moi, je ne buvais pas l'alcool. Hein. À cause de Cécile, elle a commencé à boire, consommer l'alcool. Je buvais Codis, Coca, voilà. C'est ce que moi, c'était ma boisson. Et quand on sort comme ça, Cécile me dit, si tu ne bois pas, il ne veut pas acheter ta codice. Il dit, mais il faut boire, ça fait quoi même? Mais c'est quoi il se comportait? Donc moi, je goûtais un peu, on buvait, chinois un peu. Et puis après, il m'en va prendre, même souvent, même quand il envoie boire, puis il m'en va changer en codice neuf. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans le maquis. C'était bien beau. Là-bas, c'est le boss de là-bas. Tout le monde s'incline. Donc, donc on est en pot et Cécilia me demande tu veux boire quoi? Il dit je veux boire Coca. Ah oui, mais ça te dit tu vas jamais boire ici. Il faut choisir autre boisson. Et tu peux pas boire ça. J'ai assez mon tu as boire ça pourquoi? Ses amis étaient là. Ils ont commandé pour moi. Ils regardent à côté, ils regardent à gauche, à droite. Ils voient boisson, c'est joli en or d'une manière. Il regarde, il a demandé le nom. Il y a un de ses petits qui me dit d'esprit. Ils ont commencé à rire en même temps. Ses amis ont dit, tu connais ça là. Il dit, moi, je ne connais pas, mais j'ai goûté. Il faut en envoyer une bassine pour moi seul. On dit, il ne faut pas que quelqu'un va toucher. Aïe! Excuse-moi, mon frère. Okay. Tu avais quel âge? Tu, il y a longtemps? Il y avait, quoi bien, 14 ans, 14 ans, bien, hein? 15 ans, quoi bien. Donc, quand j'ai pris la boisson, quand j'ai goûté, j'ai su que la boisson était alcoolisée. Donc, il dit, mais aïe. Il dit, aujourd'hui, là, tu vas boire. Tu veux boire, non, tu vas boire. Il dit, à la fois, il n'y a pas de souci. Hein. Genre, on était là. Et puis, son petit a dit, c'est comme ça. Ce qu'on va faire, comme il y a les petits au dehors, on prend un peu plus souvent. Tu fais comme si tu en pissais. Et puis, arrivé là-bas, tu verses parce que lui, là, il le connaît, il sait ce qu'il veut faire. J'ai dit, à la fois, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça, il fait comme 10 000. Puis, c'est comme ça, jusqu'à... Il dit, bon, il était 2 heures, 3 heures, qu'en rentrant. Et là, à la fois, on est monté sa voiture, on est arrivé. Dans l'immeuble là, où elle a rési, en bas là, juste à côté, il y a un banc encore. C'est comme ça qu'on est descendu. À moi, il fait comme si il a commencé à me jouer, comme s'il s'est saoulé. Comme s'il s'est saoulé. Et j'ai même failli me battre avec lui. Laisse-moi, il te connaît pas. Donc, ce sont les gros bras même qui sont venus. Qui, ah, le boss, il y a quoi? Il dit non. C'est mon neveu. Il veut pas m'écouter, il est saoulé. Qui est venu m'aider? Il dit, faut pas que quelqu'un va me toucher. Hein. J'ai commencé à crier. Et Cécile a dit, non, laissez-le un peu. Quand il va reprendre ses esprits, il va monter. Cécile est monté. Donc, moi, je suis rentré dans le bar en même temps. Comme il y avait un peu d'argent sur moi, c'est comme ça, il a pris. Il a pris Codis, il a bu. Quand il a fini comme ça, je suis rentré dans la résidence vers les 4 heures. 4 heures, ouais. Je suis parti me coucher. Pendant que je suis couché, je vois moi, mon ami garçon, moi me caresser. Et c'est là qu'on a commencé à faire bruit dans la résidence. Bruit jusqu'à... Il n'a même plus dormi, il était assis. Jusqu'à, dès qu'ils ont dit 5 heures. Puis il était 4 heures, il était déjà presque 5 heures. Cécile était énervé. Cécile a dit, on n'a qu'à prêter notre bagage, on rentre à Abidjan. Moi, il dit, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai apporté mes barrages. On est monté dans la voiture, on attendait quelqu'un, la personne est venue à 6 heures. On a pris la route. Il dit dans la voiture,
Ils m'ont insulté, ils ont parlé sur moi jusqu'à dès que moi j'arrive chez lui, pillé mes bagages. Et ben, moi, ils ne disaient rien, mais moi, j'étais fatigué, je n'ai pas dormi, ils dormaient sur moi. On dit, ah, ça, tu dors. Jusqu'à arriver à Abidjan, je me rappelle très bien, si mon grand frère n'a pas oublié, je suis arrivé. Dès que je suis arrivé. Où tu m'as été venu me dire? Dès que je suis arrivé, mon grand frère est venu me voir, il explique en même temps. Il dit, donc tu vois maintenant. Il dit, ouais, okay, c'est quoi, il est à foyer, okay, il n'y a pas de souci. Moi, je vais prendre mes parages, je vais quitter. Mais dans les bêtises qu'on moi, je ne suis pas détendu. Faut pas lui manquer du respect. Et puis, il va appeler maman pour raconter des bêtises. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai pris mes barrages. Où j'habite à la Riviera 2, je suis parti déposer mes barrages, puis je peux rester là-bas. Et c'est comme ça, maman m'a appelé. Ma maman a commencé à me insulter. Que ton gros cœur, tu veux mettre ça partout. Quelqu'un qui est bien comme ça. J'ai dit quelqu'un qui est bien. Quelqu'un qui est bien parce qu'il a l'argent, tu vois pas ce qu'il fait. Ton enfant, il veut que moi, il accouche lui. Elle dit, Et Jean, elle est bloquée. Elle dit, tu es sûr? Elle dit, tu penses que moi, quoi? C'est un oubli. Quelqu'un veut, la personne veut quelqu'un coucher lui à cause d'argent. Il dit, il veut pas. Donc, il te raconte des bêtises. Il me dévance en même temps. Il te raconte des bêtises. Toi aussi, tu comprends rien. Tu commences, tu viens m'insulter. Elle dit, moi, il pensait qu'elle allait l'appeler au moins. Elle allait appeler ceci là. Faut plus t'approcher de mes enfants. Elle dit, non, laisse. Qu'il faut rien dire. Rien dit. Ma grande surprise, elle continue à causer avec ceci là. Jusqu'à. Mon petit frère va partir, rester, il va s'occuper de lui. De la manière qu'il s'occupe actuellement de Booba, là, c'est comme ça qu'il s'occupait de moi. C'est parce que moi-même, je ne suis pas dans les bêtises. Et puis, il me cherche. Booba, depuis qu'il est petit, c'est quelqu'un qu'on gâte. Ils ont dit, l'argent, il aime l'argent. Donc, quand il le comprend, c'est normal. Actuellement, il blague avec l'argent. Il y a beaucoup de choses que Booba m'a dit à propos de Cécilia. Au téléphone à propos de Cécilia. Aujourd'hui, moi-même, ça m'étonne que je vois que mon petit frère monte. S'il live, il commence à parler mal. Que moi aussi, je voulais accepter quoi. Pourtant, maman sait que ma maman, elle sait que Jean, Cécilia est oubli. Mais elle laisse mon petit frère là-bas. C'est ça, au fait, mais c'est ça même qui m'étonne. C'est ça qui m'étonne.